passé sa vie à préférer l'ombre à la lumière, chaque apparition au grand jour est un événement. Et une surprise, de taille. Car Jacques Fieschi, c'est d'abord un physique imposant, puis un phrasé fascinant. Alors, laissons-nous entraîner dans son sillage, avec ou sans filtre. Allez, c'est par là que ça se passe. Jacques, bienvenue dans votre vie. On va la retracer, hein, votre vie. Oui. En commençant, bien sûr, ce qui font que vous êtes là aujourd'hui. Hein. En effet, je les vois, mes géniteurs. Eh bien, oui, c'est mon père, enfin, à gauche. Mon père, qui est là, jeune étudiant en médecine à Paris. Il vient d'où, d'abord, votre papa? Il vient du centre de la Corse de Reno. Il est né là. Et lui va faire toute sa scolarité au lycée Fesch. Et alors, il va faire sa scolarité au lycée Fesch. Et puis, il y a la guerre qui va bouleverser un petit peu son destin, non? Oui, parce qu'il y a donc cette période où il est étudiant à Paris, et puis il devient chirurgien, et est un jeune chirurgien quand la guerre commence. Il est fait prisonnier, et puis s'évade. Puis il avait un ami qui vivait à Oran, en Algérie, qui était étudiant comme lui, et qui lui a dit, viens, pourquoi tu viens pas là? Et il a fait toute la guerre jusqu'en Allemagne, à travers l'Italie. Il a fait Monte Cassino. Monte Cassino. Il a traversé toute l'Italie, etc. Il était jusqu'dans la forêt noire, je crois, non? Voilà, jusqu'en la forêt noire. Donc il était chirurgien militaire, il a fait toute cette guerre. Alors il serait sans doute jamais retourné à Oran s'il n'avait rencontré, peu avant de partir, une jeune fille, elle, née en Algérie. Elle? Oui, c'est elle. Oui. Laurence. Donc il rencontre cette jeune fille qui sort d'un chagrin d'amour, qui l'a rendue, je crois, très malheureuse. Et à ce moment-là, elle rencontre sur la plage, ils se rencontrent donc physiquement, charnellement. Je ne vais pas plus loin, mais enfin, ils se rencontrent dans cette circonstance balnéaire, comme ça, très physique. Et bon, ma mère m'a dit qu'elle était très attirée par mon père physiquement, mais qu'elle ne... Donc l'amour, c'est toute chose, l'amour idéal, l'amour, le grand amour qu'elle avait rêvé avec l'autre qui était un fils de colon et ça n'avait pas marché, c'était ça son grand amour. Voilà ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a confessé, plus tard bien sûr, beaucoup plus tard. Et donc mon père fait la guerre, mais pendant la guerre, ils correspondent. La mayonnaise se prend et il lui demande de l'épouser. Et comme, au fond, elle ne l'épouse pas par dépit, puisqu'elle est attirée par lui, mais voilà, c'est une occasion, ça n'est pas celle qu'elle avait rêvée, mais bon. Donc elle accepte. Et mon père revient en Algérie, à Oran. Et ma grand-mère, voilà le mariage. Et alors, ma mère m'a toujours dit, regarde la tête que je fais le jour de mon mariage. Et effectivement, elle n'a pas l'air très heureuse. Elle a son visage est marqué par la tristesse. Lui, il est dans une position conventionnelle, mais elle est... Oui, il y a une tristesse. Il y a une tristesse parce que... Il n'y a pas un sentiment de culpabilité aussi? Et il y a un sentiment de culpabilité aussi, ouais. Dont elle m'a parlé ensuite, parce qu'en fait, elle n'arrive pas absolument immaculée au mariage. Enfin, bon. Et oui, elle a peur que votre papa, futur papa, en tout cas que son mari, s'aperçoive qu'elle n'est pas vierge déjà. Voilà, c'est ça. Mais lui s'en fiche. Il s'en fiche complètement. Lui, ça n'est pas ça qui l'anime. Bah, il l'a également épousée parce que... Pourquoi ne pas le dire? Ma grand-mère, la mère de ma mère, n'était pas pauvre. Et donc, il a eu sa première clinique. Très vite, votre votre mère, en tout cas, elle n'est pas encore votre mère, mais elle lui reproche de ne pas être là à la maison, finalement. Il passe son temps à la clinique, il ne vient jamais la voir, elle passe son temps à l'attendre. Alors, il vient la voir, mais il rentre tous les soirs, à jamais, avant 1h du matin. Ouais. Donc, ma mère attend son et mari tous les soirs. Il y a quand même aussi quelque chose qui les liait. Elle était fière de son succès. Qui lui donnait une certaine position sociale dans cette ville d'Oran, proche de cette société-là, proche de sa fin d'ailleurs, parce qu'on est dans les années
50, il ouvre une nouvelle clinique en 55, ultra-moderne, etc. Et c'est elle qui l'a fait entièrement, parce que pour ça, elle est douée, donc elle vient, c'est elle qui gère. Oui, en fait, ils sont associés même, hein, parce qu'il a des mains en or, comme vous dites, oui, etc. Et elle, par contre, elle arrive bien à gérer. Elle arrive à gérer, par exemple, cette nouvelle clinique très, très performante, très moderne, c'est elle qui l'a... elle va à Paris, elle achète elle commande le bloc opératoire, tout ça. Donc elle n'est pas une femme, elle n'est pas une femme passive. Mmh. Elle est une femme active. Elle est ces femmes pieds noirs qui sont un peu comme des Américaines, parfois avec un côté abrupt. Et puis, mais aussi un rire qui fuse. Elle n'était pas non plus constamment malheureuse. Et enfin, bon, ils ont eu donc cet enfant unique, c'est que. Que tu as la gentillesse aujourd'hui de recevoir dans ton émission. Voilà. Un enfant qui devait rester unique. Eh oui, l'enfant qui devait rester unique, bah, c'est lui. Voilà, c'est vous. Oui, c'est moi. C'est moi, sans doute, je suppose. Ça pourrait être n'importe qui, à vrai dire. Mais oui, c'est moi. Et là, elle a l'air contente d'avoir un enfant. Elle a l'air heureuse. Et le visage est frais, épanoui, l'œil vif. Elle est contente d'avoir un enfant et elle aurait voulu en avoir un autre. Elle aurait voulu en avoir un autre. Est-ce que votre papa est content d'avoir un enfant ? Mon père est pas... Enfin, je pense que... Alors là, je veux pas dire qu'il n'est pas furieux, il n'est pas effondré d'avoir un enfant. En plus, c'est un garçon, donc je pense que ça doit pas lui plaire. Mais en fait, il n'est pas un homme de famille, voilà. Il n'est pas un homme de famille, et cette famille, un peu de membres, c'est quand même quelque chose qu'il fuit dans le travail, etc. Donc, moi, mon père, je le voyais peu, je le voyais le dimanche au déjeuner, vite expédié, plutôt morose, voilà. Et celle que vous voyez, pas que vous voyez, mais que vous attendez, justement, qui, elle, attend son mari, et vous, vous l'attendez. Oui. Et du coup, comme elle attend son mari, elle est toujours en retard avec vous. Mais... Donc oui, vous attendez cette main, tous les jours, voilà. Toute la journée. J'attends, je l'attends, et elle est toujours en retard, ma mère. Et donc je guette, elle dit qu'elle va revenir à 6h, mais à 6h elle n'est pas là, à 7h non plus. Et donc, à ce moment-là, sous les yeux de ma grand-mère et ou de la bonne effarée, je rentre dans un état d'attente, de transe, je suis extrêmement malheureux. Et je ne suis apaisé que lorsque j'entends le bruit de la sonnette, pourtant elle devait avoir une clé, sonne, et puis il y a deux coups comme ça sur la porte. Et à ce moment-là, toute angoisse disparaît pour renaître assez vite. Ça, c'est pas un paramètre de mon enfance dont j'ai un bon souvenir. Je n'ai absolument pas un mauvais souvenir, ni de mon père, ni de ma mère. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. À l'époque où ils ont vécu, je ne suis pas en train de les poursuivre de ma rancune posthume, surtout maintenant. Et bon, je les vois, je pense, assez lucidement, tels qu'ils ont été, avec leurs faiblesses, leurs failles, mais il y avait aussi une humanité. Je ne peux pas dire que j'ai été aimé par ma mère à l'excès, ça oui. Parce qu'elle a été malgré tout ensuite une mère abusive et mon père était très absent. Mais mon père, après, quand j'étais plus âgé, je crois que l'enfance ne l'intéressait pas du tout, quoi. Les enfants ne l'intéressent pas. Il y a une chose qui l'intéressait, votre papa, c'est ça, c'est que vous soyez un bon élève. Oui, hein, ah oui, ça, par contre, pour le coup, ça, il fallait être un bon élève. Il fallait que je sois. C'était sa seule exigence. Vous êtes où, là ? Alors, je suis là. C'est dit, ouais. Et... Vous êtes un bon élève. Et oui, je suis un bon élève, oui. Ouais. Oui, j'ai souvent le prix excellence. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, mon père prend connaissance un peu de loin, mais si par hasard, je me souviens qu'en lycéen, une fois, je n'avais pas eu les encouragements ou les félicitations, alors il était devenu brusquement sévère, alors qu'il n'était pour rien dans mon éducation. Enfin, votre réussite. Voilà, ma réussite, scolaire, oui. Mais généralement, j'avais de très bons résultats. Et contrairement à ce que pourrait laisser entendre cette photo, c'est le bonheur aussi un petit peu à l'époque au rang. Oui. Parce que vous naissez en quelle année, vous, Jacques ? En 1948. En 48. Donc, vous allez passer votre jeunesse à Oran. Mmh. Et à Oran,
Vous n'allez pas trop sentir la guerre, d'ailleurs, quand elle va arriver, ce qu'on appelle les événements d'Algérie. Vous, vous êtes relativement en dehors de ça. Vous allez au cinéma, beaucoup, beaucoup au cinéma. Oui. Vous y allez tout seul à partir de quel âge, d'ailleurs? 10 ans. 10 ans. Oui, hein, vous allez à la séance du matin, de l'après-midi. Le matin, il n'y en avait pas, mais je vais à 2 heures, 2 heures et à 4 heures. Je vais voir, je vais tout voir, enfin, tout ce que je peux voir, voilà. Et puis, brusquement, un jour, on vous dit, fais une valise, Jacques. Oui. Messie. Et hop, on vous prend par la main, mais c'est aussi rapide que ça. Oui. On vous emmène sur un quai bondé, vous montez dans un bateau. Et c'est fini. Et c'est fini. Et vous, c'est un véritable traumatisme. Je ne le comprends pas, mais je sais que je vais partir, parce que mon père n'arrête pas de me le dire. Enfin, ne va pas le dire, mais... Il avait senti venir le coup, lui. Ah oui, et donc, lui, d'ailleurs, on va vous retrouver, on va vous allez nous expliquer pourquoi on vous retrouve ici. D'accord, d'accord. Venez avec moi. Très bien. Allez Jacques, on traverse la Méditerranée. Oui. Ouais, il faut bien la traverser. Et après le traumatisme, on vous retrouve. Oui. Au bord d'une piscine. On est où là? On est à Cannes. Mon père voulait partir quand j'aurais eu mon bac. L'histoire l'a précédé de quelques années. Et donc il y a un gros changement dans, votre vie. C'est votre papa que vous ne voyez jamais à l'époque à Oran. Très là, peu, en effet. Du jour au lendemain, ben, il est presque constamment à la maison. Ben, il rentre, au lieu de rentrer à 1h du matin, il rentre à 6h du soir. Il a ouvert un cabinet rue d'Antibes, personne ne le connaît. Il a 50 ans et donc il est d'une humeur... Il n'a vu aucun patient, et donc il est ou presque, il est d'une humeur massacrante. Et moi, j'ai 14 ans, et à l'adolescence, un peu rebelle, ça un peu rétive. Un peu, quoi. Donc, en fait, on se découvre, et c'est pas très agréable à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe alors pour que subitement, on vous retrouve Oui. Là. Là, je suis... Enfin, disons que je n'ai pas vu la carrière universitaire comme la voie royale à suivre pour moi. Voilà. J'ai passé des diplômes, tout ça, mais je ne me voyais pas enseigner. J'ai commencé à avoir, disons, une vie plus libre. Vous partez pratiquement à New York sans le dire à vos parents. Oui. Il reste des semaines sans avoir de vos nouvelles. Il se demande même si vous êtes encore en vie. Là, c'est que ça s'apparente à une fugue, ce que vous faites à cet âge-là. Vous avez 22 ans. Oui, à peine, oui. Mais oui, c'est un peu une fugue, oui, c'est vrai. C'est un départ. C'était assez cruel quand j'y songe, oui. Je n'ai pas donné de nouvelles à mes parents. Enfin, bon, ils pensaient que j'étais encore de ce monde. Mais enfin, bon, quand je suis rentré en France, après, mon père ne voulait plus opérer. Ma mère pensait qu'elle était cardiaque. Enfin, bon, j'ai trouvé deux êtres très ébranlés. Voilà. Mais moi, j'ai eu cette vie-là, cette vie un peu agitée, nocturne, dans ce New York des années 70, qui était pour le moins... une ville passionnante, mais une ville violente, mais extrêmement créatrice. Mais vous revenez, justement, vous revenez de New York. Et quand vous revenez, vous vous dites, bah, tiens, je vais peut-être retrouver une vie stable. Vous essayez même de passer une agrégation. Là, c'est à ce moment-là que vous écrivez à l'agrégation à Tours. Oui, voilà. Alors, je vais à Tours et je m'inscris en agrégation. Mais je l'ai préparé 3-4 mois sérieusement et puis plus du tout. Et donc, on vous retrouve. Oui, mais là vous... Là, mais où, là, Los Angeles. Vous repartez sur Los Angeles. Je repars sur Los Angeles et là, vous voyez, je... Disons que mon cas s'aggrave en quelque sorte. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que Los Angeles, ça vous fait rire, mais en fait, ça ne va pas vous faire rire longtemps, finalement. Non, Jacques. D'ailleurs, là, ce n'est pas un rire, c'est une sorte de grimace solaire quand on est drogué, quoi. Parce que c'est ça. Voilà. Et à l'époque, les gens avalent pas mal de drogue, un peu comme des bonbons. On ne sait pas trop ce qu'on avale. Vous savez tellement pas ce que vous avalez que ça va aller très loin, justement, ça. Oui, ça va aller très loin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une drogue que les gens prenaient à l'époque. Pourquoi ne pas leur en parler, après tout, hein. Ça fait partie de la vie et de ses errances et de ses erreurs. Et c'est du LSD.
Voilà, donc on fait un trip au LSD, et puis ça dure longtemps, ça dure des heures, et quand on croit que c'est fini, ça recommence, moins fort. Ce sont des cycles intérieurs, comme ça, qui vous vrillent, qui vous barattent, mais où il y a de belles choses aussi, et ce que j'aimais là-dedans, c'est qu'il y avait un côté assez intellectuel. On comprenait, on croyait comprendre des choses qui nous échappaient autrement. On conceptualisait certaines choses. C'était peut-être complètement une erreur. Mais ce n'est pas une drogue d'avachissement. Ce n'est pas une drogue de pur bien-être, d'invasion. C'est un trip, un voyage qu'on commande pour soi. Sauf que je ne le recommanderais à personne. Sauf que Jacques, vous allez aller jusqu'au bad trip. Voilà, donc le bad trip. Vous allez aller trop loin, là. Ben oui, c'est juste un peu après cette photo. Et à un moment donné, il y a un choc cérébral énorme. J'ai l'impression de mourir, tout simplement. Et j'ai eu beaucoup de mal à revenir à, disons, à un état psychique plus acceptable, plus harmonieux. Mais néanmoins, je dois dire, et c'est pas pour ça que je recommande ce genre de frivolité. Après cet épisode, c'est là que j'ai commencé vraiment à travailler et que j'ai vécu avec quelqu'un. Et effectivement, on vous retrouve, mais là, voilà. Costume. Oui. Alors voilà. Cinématographe, revue mensuelle d'actualité cinématographique. Voilà. On le voit, un rédacteur en chef, Jacques Fieschi. Ben oui. Super revue, intellectuelle. Là, vous allez y passer quelques années. Oui, quelques années. Ça va vous remettre d'aplomb. Ça va vous remettre un peu sur les rails quand même. Hein. C'était très délibérément cela pour moi. Le cinématographe, c'est une des revues phares des années 70-80 en France. Mmh. Vous faites un nom, vous faites des connaissances aussi, parce qu'avec le cinématographe, vous rencontrez beaucoup de metteurs en scène. Vous voulez d'amitié, on peut dire, avec Téchiné, avec Piala. Mmh. Et à partir de ce moment-là, justement, enfin, il va falloir quand même une bonne dizaine d'années, on va presque vous demander de venir écrire, non ? Comment ça se passe ? Beaucoup de chance, mais c'est une chance qu'on mesure après coup, parce que quand les choses vous arrivent, elles vous paraissent normales, tout ça. Maintenant, quand j'y songe, non, c'était pas du tout normal. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire, la critique, je pense pas qu'on puisse la faire si longtemps dans sa vie, à un moment donné où on a un peu tout dit, on fait le même article. Donc j'avais le désir de faire davantage de cinéma plus directement. Mais je n'ai jamais eu à frapper à la porte en disant « Écoutez, lisez mon scénario, je vous en supplie, c'est formidable, bon, ça pourrait faire un film épatant. » Je n'ai jamais eu à faire ça. Dans ce sens, j'ai eu beaucoup de chance, car ce sont ces metteurs en scène que je connaissais, que j'ai connus à travers la revue, que j'ai interviewé, dont certains sont devenus des amis, qui m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'écris pas pour le cinéma ?» et qui me l'ont proposé très directement. Ça s'est passé comme ça. Le premier a été Téchiné d'une certaine manière, mais avec lui, ça n'a jamais collé, parce qu'on est trop habillé, on se connaît trop. Et il a un rapport quand même très personnel à l'écriture. Et puis Maurice Piala, avec qui j'ai eu un rapport d'amitié. Voilà. Et puis ensuite, Piala m'a demandé, voilà, c'est à mon nom là. Oui, non, effectivement. C'est le premier film que j'ai fait en tant que scénariste, co-scénariste. Et c'était une aventure assez forte et assez folle, parce que, au fond, le film s'écrivait au fur et à mesure du tournage. Et le film, donc, sort tant bien que mal, j'ai envie de dire, a du succès. Oui. Et il y a une dernière scène dans ce film, et cette dernière scène, elle n'échappe pas à ce monsieur-là. Voilà, c'est-à-dire, je rencontre Claude Sautet et il me dit « Est-ce que c'est vous qui avez écrit la dernière scène de police » C'est-à-dire, c'est une scène entre Gérard Depardieu et Sophie Marceau où elle le quitte dans une voiture. Effectivement, je lui dis « Oui, ça c'est moi qui ai écrit cette scène. » Et alors, il me dit « Ah, alors on peut essayer de travailler ensemble. » Et en fait, j'ai réalisé après coup que c'est à peu près la seule scène de Piala qui ressemble à du Sautet. C'est-à-dire un homme, une femme dans une voiture, au toit que j'eusse aimé, elle s'en va, le trottard. C'est effectivement... Il y a une parenté évidente. Mais enfin bon,
Cela dit, ça aurait pu, au-delà de cela, ne pas... Oui, mais ça a collé, la mais preuve. Mais ça a collé, ça mais a collé. Oui, la preuve, vous allez faire quelques-uns des derniers films, les derniers films hein, de Claude Sautet, Quelques jours avec moi, Nelly et oui. Monsieur Arnaud, Un cœur en hiver, oui, oui. Que des grands films en plus, Jacques, que des succès. Oui, oui, oui. Vous parlez vrai. De chance, mais enfin, bon, vous faites quand même... Oui, c'est les trois derniers films à Claude Sautet. Et bon, j'aime un petit peu à croire que... quand j'ai rencontré Claude Sautet, il sortait de l'expérience de Garçon, qui avait été un peu décevante pour lui. Et donc, sa collaboration avec Jean-Louis Dabadie s'est achevée à ce moment-là. Donc, il avait besoin un peu d'un sang neuf. Et donc, c'était oui, moi. C'était et puis, vous faites une autre belle rencontre, une rencontre qui a compté, qui compte et qui comptera encore dans votre vie. Nicole Garcia, c'est Nicole Garcia, exactement, absolument. Vous faites oui. des sacrés films avec elle, hein. Le fils préféré, l'adversaire. Oui. L'adversaire, la Place Vendôme, et puis plus récemment, Mal de pierre. Mais avant de parler de plus récemment, vous faites ces cinq premiers films avec elle. Oui. Hein. Et puis le sixième qui va arriver. Mais le sixième, on ne va pas en parler dans cette pièce-là, Jacques. On va en parler dans une autre pièce, parce que d'accord. il est symbolique. Allez, venez avec moi. Bien, bien, bien. Allez Jacques, on disait qu'on avait retraversé la Méditerranée, encore une fois, parce qu'il y a un traumatisme, un vrai dans votre vie. C'est quand même cet épisode-là. Oui, c'est vrai. Disons que ce départ en 62, lorsque j'étais cet enfant, enfin au bord de l'adolescence, c'était un choc violent, une fracture, un peu un viol. Donc ensuite, j'ai souhaité retourner dans cette ville d'Oran où j'étais né. Et cette photo date de mon premier retour, c'est-à-dire de cet embrassement, cette saisie du paysage, de la ville où je suis né, quelque part par là, au centre. Mais ça va réunir effectivement beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'au retour, oui. mais l'enchaînement, il est là. Voilà. Alors là, on retrouve les mêmes que tout à l'heure, un peu plus tard, Nicole et moi. Et c'est la vedette du film, Jean Dujardin. Mais elle ne voulait pas le faire, Nicole, parce qu'elle était et pourtant née là-bas. Mais quand je lui ai proposé de faire ce film, enfin de raconter l'histoire qu'on devait raconter dans le contexte de l'Algérie et du passé et de la guerre d'Algérie, elle a eu peur. Donc, j'ai fini par la convaincre. Et donc, on a tourné ce film qui est le retour de ce personnage. Ce film s'appelle Un balcon sur la mer. Exactement. Un balcon sur la mer. Le balcon sur la mer, c'est la ville d'Oran. Sauf que les gens, les Français d'Algérie, ils étaient penchés à ce balcon. Et puis un jour, ils ont basculé de l'autre côté. On a parlé du premier trauma. Il y a un autre trauma que j'ai envie qu'on explore un petit peu sur cet écran. Oui. Alors, j'ai pas de photo de l'époque. J'ai dû le matérialiser comme ceci. C'est la Corse. Et c'est Reno. C'est Reno. Et ça, ce village aussi, vous y alliez beaucoup quand vous étiez petit avec votre papa. Oui. C'était systématique. Oui, c'était ça. C'était ça. Donc, oui. Et puis un jour, vous êtes invité à un festival à Ajaccio. Et là, oui. il vous prend l'idée, comme quand vous étiez au Maroc. Hein. Tiens, oui. si je retournais un petit peu... Voilà. Eh ben après ce festival, je dis d'essayer de prêter moi une voiture pour je vais monter au village. Donc je suis allé seul par Mezzavi, à Vico, tout ça. Mais là j'ai eu un choc atroce parce que, je le racontais tout à l'heure, tous les arbres, tous les châtaigniers étaient morts. Et donc il y avait ces carcasses impressionnantes de châtaigniers, là où il y avait cette forêt superbe. Et là, j'ai vu un lieu dévasté, j'ai vu ces squelettes d'arbres magnifiques, et je ne suis pas retourné depuis pour dire la vérité. Je ne sais pas si où en sont ces arbres, hein, s'ils sont revenus à la vie. C'est l'occasion de parler de votre papa. Votre papa, il va opérer jusqu'à 73 ans, votre papa. Oui. Et puis... Il va avoir une fin un petit peu, j'ai envie de dire, pathétique.
Oui. Mon père, c'est un homme qui s'est isolé, qui s'est emmuré en lui-même, dans le silence et puis la cécité. Et, mais néanmoins, lorsqu'il est mort, nous avons communiqué, parce que la garde malade veut me dire « Venez, c'est fini ». Je suis descendu du deuxième étage et non, c'était pas fini. Mais c'était la toute fin. Mais chaque fois que je lui disais « Je suis là, tu m'entends », il y avait un clignement d'yeux et de pommettes qui était comme un assentiment. Ça, là, c'est vous. Mais ce qui est intéressant dans cette photo, c'est surtout qui prend la photo. Cette photo, c'est votre mère, justement, oui, qui prend la photo. Son ombre, là, oui. Parce qu'avec votre maman, il y avait des rapports aussi finalement difficiles, parce que vous avez parlé de cet amour. Mais finalement, elle ne vous comprenait pas tant que ça, votre maman. Non. Elle avait des préjugés et certains traits de mon caractère qui ne sont pas forcément des défauts. Elles ne lui convenaient pas du tout. Ne lui convenaient pas. Et autant mon père trouvait ça très bien, étrangement. Généralement, c'est le contraire, souvent dans les familles. Là, c'était ma mère qui m'a... Non, qui m'a... plus qu'importuné, enfin, qui m'a un peu harcelé avec ça. Mais à la fin, la chose s'est beaucoup mieux passée. Elle a accepté ma vie et on a eu un rapport harmonieux. Si bien que lorsqu'elle est partie, pour moi, c'était très douloureux. Très dur, parce que là, nous étions parvenus à... Je pense à une proximité et à une compréhension mutuelle qui n'avait pas forcément existé toujours. Justement, venez sur le dernier écran, oui. Parce que de votre maman, vous tenez peut-être ça. Oui. De l'écriture. Oui, j'ai écrit un journal intime parce que j'ai éprouvé le besoin. C'est plus qu'un journal intime, à vrai dire. Enfin, il ne faut pas en parler, il faut éventuellement le publier ou le lire. Mais c'est un passé présent. C'est-à-dire que ce que je fais, j'en ai déjà écrit pas mal de pages, c'est aujourd'hui, par exemple ici, mais je peux avoir 8 ans, 15 ans, 50, enfin, j'ouvre, c'est comme... Comme la mémoire. Oui, comme la mémoire, mais on ouvre une porte, et puis on entre dans la pièce, et puis on l'occupe cette pièce pendant un temps, et puis on va ailleurs. C'est ça. Donc, vocation d'être publié ou pas? Je pense, tout cas, c'est dans le désir de laisser une trace, oui. Vous avez déjà laissé la trace avec cela, les livres. Oui, voilà. Jacques Fieschi, L'éternel garçon, et Souvenirs de ma vie d'hôtel. Oui, celui-là, il vient de sortir, celui-là. Et celui-ci est très bien, Jacques. Bon. Mais vraiment, vraiment. Je pense qu'il va avoir un gros succès, celui-ci. Il a un certain succès. Ouais, ouais, ça ne m'étonne pas. Il a un certain succès, il a une bonne critique. Et puis on s'éloigne un petit peu du cinéma, mais il y a eu ça, quand même, Jacques, dans votre vie. Oui. Il y a eu votre film. Non, vous s'éloigne pas du cinéma. Voilà, j'ai réalisé un film, en effet, il y a une quinzaine d'années. Un film qui me tient à cœur, qui est une adaptation d'un roman de Simenon, qui s'appelle Le chemin sans issue, mais que j'ai appelé Les Californies. Les Californies, c'est celle qui est sur le quartier qui est au-dessus de Cannes. Exactement, avec une formidable Nathalie Baye. Oui, excellent. Hein. Oui. Mais ça, il a quelques années maintenant, ce film, oui, Jacques. Vous écrivez encore. Je sais que vous êtes encore sur le scénario d'une série pour Canal+. Oui. Mais votre film, votre prochain film, non, il sera pour quand? Mon prochain film... Est-ce qu'il y en aura un? J'aimerais bien qu'il y en ait un. Mais pour le moment, j'ai un projet de réalisation. Pour le moment, je ne suis pas tout à fait arrivé à le monter financièrement. Mais le sujet choque un peu. Oui. On le verra, j'espère en tout cas. J'espère qu'on le verra, et puis voilà, par ça, j'ai toujours beaucoup de projets. On sait bien. Ben merci en tout cas de nous avoir parlé merci de ce passé, avec autant de tact, d'intelligence, Jacques. Non, un petit selfie avant de partir, s'il vous plaît. Voilà. Ça a été un véritable plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon. Un de ces jours. Oui, j'espère. Je vous amènerai à Reno, peut-être, on montrera ensemble. Oui, voilà. Hein? J'espère que les châtaigniers auront repris leur physionomie. J'espère aussi. On ira voir ensemble. J'ai été glacé quand j'ai vu ce Saint-Pierre. J'ai bien compris.